Appeler, je suis là pour vous appeler, pour vous appeler à cette marche, à cette manifestation de demain. C'est une marche. Je ne sais pas s'il faut l'appeler manifestation, quelque chose comme ça. Mais toujours une protestation. On sort toujours pour protester, qu'on n'est pas d'accord avec les résultats. Ça peut pas marcher comme ça. Je vous ai dit, je dis si on se calme, si toutefois on se calme, on n'a qu'un temps de une semaine. 2 jours, 3 jours même, restez sans rien faire. Restez sans rien faire, même 3 jours, c'est fini. Alpha est élu comme ça. Alpha est élu comme ça, Alpha va gouverner comme il veut. Partager le direct, c'est important. Alpha va gouverner comme il veut. Mais si on ne s'est pas calmé, si le combat a continué, il ne peut pas gouverner. Je vous pose la question, Alpha va gouverner qui? Comment? Dans quelle atmosphère? Dans quelle tranquillité, dans quelle paix. Regardez-le jusque-là, aucun président, ni africain, ni occidental, personne ne l'a encore félicité. On ne peut pas le souhaiter. On ne peut pas le féliciter, on ne peut pas lui souhaiter félicitations. Il n'est président de personne. Est-ce que vous comprenez? Il n'est pas président encore. C'est la Cour constitutionnelle qui a seulement chié. Moi, je n'appelle pas ça parler. C'est la Cour constitutionnelle qui a chié. La CENI a chié. Ils ont tout chié. Ça sent mauvais. Au-delà même, ça finit bientôt. On a fini avec ça. Et puis quoi? Et puis quoi? Les gens ont voté pour l'alternance. L'alternance a gagné. Et puis vous venez vous flanquer. Vous dites que c'est Alpha Condé qui a gagné. Ça, là, ça a quel sens? Moi, pour moi, Annie, ça a quel sens? Ça n'a pas de sens. Pour vous, mes guerriers, ça a quel sens au fait? Ça a quel sens? Le fait de turquer les résultats, le fait de tout changer et venir vous proclamer des faux résultats, ça a quel sens pour vous? Ça vous effraie en quoi? Ça vous touche en quoi? Ça change quoi? Au juste, ça change quoi? C'est ça ma question. Ça change quoi? Ça a quel sens au fait? Si ce n'est pas un sens machiavélique, si ce n'est pas un sens de magouille, si ce n'est pas un sens. Ça a quel sens? Vous comprenez quoi par là? C'est celui-là qui a gagné les élections palpablement. Le monsieur a ses résultats. Et puis la CENI, la Cour constitutionnelle vient chier. Ça a quel sens? Ça change rien. Ça change rien à nous, notre victoire. Ça change rien à nous, notre combat. On n'est pas d'accord, on n'est pas d'accord. Ça s'est passé devant tout le monde. Et puis avec toutes ces preuves, depuis lors des campagnes, toutes les preuves que nous avons, toutes les corruptions qu'ils ont faites. Toutes ces corruptions, toutes ces menaces, tous ces blocages qu'ils ont fait à Cellodale Diallo, dans les urnes, toutes ces fraudes. Mais vous ne pouvez pas regarder tout ça, vous ne pouvez pas imaginer, vous ne pouvez pas analyser sur tout ça. Vous pensez que c'est au hasard, on publiait, on publiait, on publiait, nous activistes, nous blogueurs. Vous pensez que c'est au hasard, nous on publiait, même Cellodale Diallo, vous pensez que c'est au hasard, il avait pris son temps pour exposer ça à tout un chacun? À chaque fraude, Cellodale expliquait. À chaque fraude, nous, blogueurs, on exposait aux gens. Mais ce n'est pas au hasard, on faisait ça. On vous a toujours dit, on dit, ça sert de preuve, ça sert de preuve, et ça sert de preuve. Si c'était pour autant, quand la CENI va faire sa marmaille, va proclamer les faux résultats, ça sort donc les regarder, juste dire, hey, les gens là, ils sont comme ça, ils sont des volets, on les connaît déjà. On savait que les choses allaient terminer comme ça. Cellodale le savait depuis le départ, avant de se présenter. Cellodale le savait que Alpha Condé allait s'emparer au pouvoir. Cellodale le savait depuis le départ. Cellodale le savait. Cellodale le savait depuis le départ. Et puis il y a un truc. Il y a un truc que vous devez savoir. Le boycott, lorsque vous parlez de boycott. Lorsque vous me parlez de boycott, vous parlez de boycott à Cellodale Diallo. Vous pensez que boycotter, c'est quoi? Quand on dit boycott, on devait boycotter, on ne devait pas aller aux élections là. C'est parce que personne n'allait se présenter. Personne ne devait se présenter. Mais personne et personne, personne ne devait se présenter. Si c'était ça là, on appelle ça boycott. Aucun président, mais aucun opposant, je vais dire, aucun opposant ne devait se présenter. Mais à partir du moment que les Abessila, les Macky Traoré et consorts là, où ceux-là sont quittés, Faya Milimono a renoncé, Sidya Touré a renoncé, Kouyaté, Lassana Kouyaté a renoncé, c'est vrai.
Ceux qu'on connaît en général, là, ils ont renoncé, c'est vrai. Mais d'où sont sortis les Macalé Traoré, Macalé Camara, les Abbé Silla et les autres là, Soumaoro, tous les 10 candidats là, d'où sont sortis? C'est le d'aller aller boycotter lorsqu'il n'y avait personne avec qui Alpha Condé va aller aux urnes. Lorsqu'il n'y avait aucun candidat, lorsque je parle, comprenez-moi. Lorsqu'il n'y avait mais aucun candidat, zéro candidat avec qui Alpha Condé part aux élections. Là, ça serait un boycott. Là, ça serait un boycott. Parce qu'un seul président ne peut pas aller. Aux États-Unis, ils ne partent que deux. Mais on vous dit deux. Mais un seul président ne peut jamais aller aux élections. Un seul président ne peut jamais aller aux élections. Si tous les candidats avaient boycotté, c'était resté Alpha lui seul. C'était resté Alpha Condé lui seul. C'est là l'élection serait impossible. Est-ce qu'on se comprend? L'élection serait impossible. L'élection serait annulée. L'élection serait à plat. Ça serait impossible si c'était Alpha Condé lui seul. Mais à partir du moment que les 10 autres se sont présentés, d'où même sont sortis. Moi-même, du coup, j'ai vu les 10 autres comme ça. On me parle de Makale, on me parle d'Abbé Sila, on me parle de Soumaoro, on me parle de ceci et cela. Hein? Du coup, j'ai dit, ils n'ont pas parlé de boycott des élections en Guinée. J'ai dit donc d'où sont venus tous ces candidats et puis jusqu'à 10 comme ça. D'où ils sont venus? Hein? C'est le d'aller aller boycotter si les 10 autres là ne partaient pas. Si les 10 candidats ne partaient pas, c'est le d'aller pouvait boycotter. Mais c'est à partir du moment où c'est le d'aller a vu 10 autres candidats se présenter, il s'est dit mais ce n'est plus du boycott. Que je me présente ou pas Alpha Condé, il va aller aux élections et après il va s'emparer du pouvoir. Donc, que celui-là se présentait ou pas, c'est la même chose. Ce n'était pas une option que celui-là ne se présente plus. Si vous voyez celui-là se présenter, c'est la cause. Parce que ce n'était plus un boycott. Et le pire, ça reviendrait à la même chose. Alpha Condé ne fout rien avec les 10 autres candidats. Alpha Condé allait partir aux élections avec les 10 autres et après, il se proclame, il s'auto-proclame vainqueur comme il a fait. En fait, d'une manière ou autre, vice-versa, c'est ce qu'Alpha Condé allait faire. Que celui ne partait pas, Alpha Condé allait s'emparer du pouvoir. Celui est parti, Alpha Condé s'est emparé du pouvoir. Ok? Donc, laissez-moi bloquer des Djandjou. Je bloque les Djandjou. Voilà. Donc, c'est ça. D'une manière ou autre, Alpha Condé allait se craponner au pouvoir. Il allait se craponner. Et on n'a pas pourquoi dire à celui de l'air, ah, tu voyais déjà ta défaite. Et les 10 autres là. Si vous savez dire à celui-là qu'il devait boycotter, allez-y dire aux autres 10 candidats qu'il devait boycotter. Parce que moi, ça a été à ma plus grande surprise de voir les 10 autres candidats se présenter. Mais ça a plus été un boycott. Ça a plus été un boycott. Ça a plus été un boycott. Peut-être que les autres, là, les Fayam, Minimono et Conseil, ne sont plus partis parce qu'ils n'ont pas eu les 800 millions. Peut-être que c'est ça. Je dis bien peut-être. Je ne sais pas bien. Peut-être que c'est parce qu'ils n'ont plus eu l'argent. Mais ils n'ont pas été bloqués. Ça n'a pas été une raison. Ça n'a pas été un raisonnement, une raison pour dire que ouais, j'ai peur parce qu'Alpha va. Ça a plus été ça. En fait, ça n'a pas été un boycott. Si Faya Milmeno n'est pas parti, si Sidi Touré n'est pas parti, ils n'ont pas boycotté. Parce qu'il y avait déjà 10 candidats qui se sont présentés. Les 10 autres candidats se sont présentés, donc ça n'a plus un boycott. Ce n'est plus un boycott aux élections. On parle de boycott lorsqu'il n'y a qu'un seul président. Le président sortant qui ne veut pas partir, on les laisse seuls. Les 10 autres ne devaient pas se présenter. Là, c'est le non plus n'allait se présenter. Mais si celui s'est présenté, c'est une option à celui. Celui a eu 800 millions, ben c'est ça. Et celui a gagné les élections. Ils n'ont pas pourquoi se craponner au pouvoir. Ils n'ont pas pourquoi salir la victoire de l'alternance. Donc, c'était un éclaircissement de cette petite parenthèse pour dire que c'est le dalle devait boycotter. Non. Si vous savez parler de boycott aux gens, allez-y parler de boycott aux 10 autres candidats. Pourquoi ils se sont présentés? Pourquoi les 10 autres candidats se sont présentés si on avait déjà parlé de boycott? C'est plus un boycott. Lorsqu'ils se sont présentés, c'est fini. Ils ont gâté le plan. Ce sont les 10 autres qui ont gâté le plan. Parce que c'est le dalle s'est présenté à la dernière minute. Mais à la dernière minute. À la dernière minute, c'est le s'est présenté. Donc, ce sont les 10 autres qui ont trahi le peuple. Ce sont les 10 autres qui ont trahi la stratégie de boycott. Ils ne devaient pas se présenter. Et là, je pense que c'est un coup monté d'Alpha Condé, tout ceci.
Il fallait que les 10 autres se présentent. Là, voilà, parce que c'était coûte que coûte, il devait partir aux élections. Il devait forcément partir aux élections avec quelqu'un. Donc, il était obligé d'aller avec, de chercher, de se trouver les 10 autres partis avec eux. C'était un plan, c'était aussi un coup monté. Il faut comprendre cela. Donc, bref, Selou est parti, Selou a gagné les élections. Devant Dieu, devant les hommes, on ne doit pas salir sa raison comme ça. Donc, on ne croise pas les bras. Si vous avez croisé les bras, je dis, si vous avez croisé les bras, même deux jours, trois jours, allant dans une semaine, c'est fini. C'est fini. Alpha Condé est comme la tortue. Il faut mettre le feu derrière lui. S'il y a eu un tout petit peu de paix, les commentaires passent très vite, mes guerriers. J'ai bien envie de vous lire et tout ça. Tu es là, juste... Je n'aime pas lire les mauvais commentaires. J'adore les bloquer, mais je n'aime pas les lire. J'adore bloquer les mauvais commentaires, mais je n'aime pas les lire. C'est la vérité, voilà, c'est ça. Attends, je vais bloquer celui-ci là. D'abord, c'est un faux compte. Si tu vois quelqu'un qui vient insulter la femme comme ça, là, c'est un faux compte. Donc, c'est le bloqué qui est bien. Tout ce que je dis est vrai, mais c'est la vérité. C'est la vérité. C'est comme ça. Donc, Selou a gagné les élections. Moi, je suis du peuple. Je suis une activiste, moi. Je suis du peuple. Mais l'activisme est en rapport avec la politique. Nous, on dénonce les mauvais hommes politiques, les mauvais dirigeants politiques, on les dénonce, pas froid aux yeux. Et lors des élections, le président capable, qu'on voit que c'est lui qui est capable, nous activistes, on a le droit de se rallier à la personne, on a le droit de défendre la personne, on a le droit de défendre les intérêts de la personne qui est l'intérêt général, l'intérêt commun. D'accord? Moi, je suis activiste. Je n'appartiens ni à la mouvance, ni à l'opposition, je n'ai pas de parti politique, moi. Je n'appartiens à aucun parti politique. Je vous ai dit fatigué, je n'appartiens pas à l'UFDG. Je ne suis pas UFDGiste, je ne suis pas RPGiste. Je suis de personne, moi. Je suis simple activiste. Mais je dis très bien, le président ou le candidat qui je vois, que c'est lui qui peut, aider le peuple, moi étant la voix des sans-voix, moi étant l'avocate du peuple, moi étant du peuple, moi étant celle qui défend les intérêts du peuple, je me rallie à la personne. Donc cette année, je me suis ralliée à Selou et je suis ralliée à lui, à jamais. Jusqu'à la fin de la victoire. Jusqu'à la victoire, je suis ralliée à lui parce que je sais que c'est lui qui est capable. C'est lui qui peut apporter la paix en Guinée. Avec lui, il y a la paix. Regardez, quand on dit Selou a gagné, tout le monde est content. Ce sont des exemples palpables. Tout le monde est content, il y a la paix, il y a la tranquillité, on ne tire pas. Même l'armée est contente. Mais quand on dit c'est Alpha, tout le monde est frustré. Il y a les manifestations, il y a ceci, il y a cela, il y a le trouble, il n'y a pas la paix. Hein? Les taux de d'arrêt s'augmentent. Tout le monde est frustré, tout le monde est fâché. Mais il faut savoir si maintenant c'est la démocratie, mais c'est ce que le peuple veut. La démocratie dit qu'il faut rendre au peuple ce qu'il adore, ce qu'il souhaite. Hein? C'est le peuple qui commande dans la démocratie. C'est le peuple qui est élu. Mais pourquoi se cramponner au pouvoir? Pourtant, le peuple ne veut pas de toi. Alpha Condé, aucun peuple ne veut de toi. Lorsque tu nous parles de peuple, lorsque tu nous parles que les gens ont voté pour toi, et puis je m'en fous, hein, je vais te tutoyer maintenant. Oui, Alpha Condé, je te tutoie quand je veux, je vous vois quand je veux. Je m'en tape en réalité, je m'en tape. Le respect est mort en Guinée. Ok? Ça, je m'en fous. Donc, Alpha Condé, personne n'est avec toi. Il faut partir. Personne n'est avec toi. Faut pas te blaguer. Le vieux, faut partir, faut dégager. Personne ne veut plus de toi. Tu es là, on dit tu as gagné. Personne n'est content de toi. Même à Cancan, dans ton propre fief là-bas, Alpha Condé, dans ton propre fief là-bas, personne n'a fêté ta soi-disant victoire. C'est pourquoi moi j'ai appelé, j'ai dit une fuck victoire. Une fucking victoire volée, truquée, remplie de sang, remplie d'injustice. Qui va fêter ça? Même à Cancan, on n'a pas fêté la victoire d'Alpha Condé. Ni à Conakry, ni. La ville est comme ça, tout le monde est comme ça. On le regarde seulement, on rit. Tout le monde rit seulement. C'est rigolo, en fait. Hein? C'est rigolo.
Toi, a fait Mariam quoi, bah. Vous pensez que c'est la violence? Pour vous, tout est basé sur la violence. Qu'on dit à celui qui va venir à s'écouter, on va le déchirer en deux. Celui-là, là-bas, ça a duré dans ta bouche. Depuis là, tu n'as pas fini de déchirer celui-là. Depuis là, celui-là, là-bas, il marche. Et puis, vous n'avez pas fini de le déchirer. Hein? Non, vous êtes vraiment incapable. Vous n'avez pas de kiki dans vos caleçons, les RPGistes. Ni votre Alpha Condé, ni vous n'avez aucun kiki dans le caleçon. Chat aussi, vous n'avez pas. Vous n'êtes ni homme, ni femme. Je ne sais même pas qui vous êtes. Jusque-là, vous n'avez pas déchiré celui-là d'aller. Jusque-là, moi-même, je parle. Vous n'êtes pas venu me déchirer. Bah, là, vous n'êtes pas des hommes ni des femmes. Hein. Je ne sais plus si vous êtes des hermaphrodites. Même hermaphrodites, vous n'êtes pas. Vous pensez que c'est la bouche, les violences, menaces, envers ceci, ou bien quand les gens parlent, venez vous asseoir. C'est ici, c'est la tête. Hein? Même quand on parle là, mais c'est l'intelligence. Il faut annoncer ses arguments et puis les défendre. Vous êtes trop bête dans la tête. Vous êtes bête jusqu'à quand je pleure à votre place. Vous êtes ethno jusqu'à quand vous devenez fou. C'est dommage pour vous. Ce n'est pas de la violence. Arrêtez les mots de menace. C'est pas comme ça que ça se passe. C'est le pouvoir qui est fort, ce n'est pas vous. Même ce pouvoir, vous n'êtes pas en train de respecter cela. Respectez un peu le pouvoir. Vous allez partir, tout est éphémère. Tout est passagère dans la vie. Vous allez passer, c'est fini pour vous. Ce n'est qu'une question de processus, ce n'est qu'une question de stratégie qui se passe par la tête et non par la violence. Est-ce que vous comprenez? Nous sommes sur ces processus, bien sûr. Vous êtes trop bêtes, je ne sais pas comment vous expliquer. Les RPGistes sont bêtes. Les RPGistes sont trop bêtes. Alpha Condé est trop bête. Ils sont bêtes, j'ai pitié d'eux. Ils font tout par la violence, ils font tout par les injures. Oh mon Dieu, ils sont trop bêtes. Qu'ils sont bêtes les RPGistes. Qu'ils sont bêtes, qu'ils sont cons, qu'ils sont haïtons, qu'ils sont fripouilles, qu'ils sont enduits. Oh là là. Donc je vous dis, demain on a la sortie, d'accord? Demain on a la sortie avec Celuda Lecello. Sortez massivement, comme j'ai l'habitude de vous dire. Ce n'est pas une question ethnique. Ça me fait très rire l'affaire qui est là. Parce que je me dis, oh là là, les gens là ne comprennent rien, ils sont là aujourd'hui. C'est Celudalin, donc c'est une affaire de peule. Demain alors, si demain Dieu fait que le meilleur candidat soit Forestier, si demain Dieu fait que la personne qui serait à la place de Celudalin Diallo soit en sous-sous, en ce moment, les peules croisent les bras. Ah là, chacun à son tour chez le coiffeur. Les peules aussi se disent, ouais, on le trouve bien, il est meilleur, mais comme il est forestier, on s'en tape. C'est ici, c'était Celuda Lecello, les forestiers ont croisé les bras, ils n'ont rien foutu. Maintenant, c'est eux, même si le candidat là est capable, nous aussi, on s'en fout, on ne se lèvera pas, on ne le défendra pas, on ne votera pas pour lui. Vous pensez que les forestiers, vous pensez que votre candidat là va passer en ce moment? En ce moment, vous serez de même en train de vous lamenter comme les peules. Selon vous, hein, selon vous, selon votre mentalité. Attends, je vais vous aider. Parce que tant que vous n'êtes pas sorti de la mentalité là, je vais vous cracher les vérités qu'il faut avant tout. Vous serez de même en train de vous lamenter. Vous serez de même à la porte des peules, de peules en peules, en train de leur dire, hey, les peules, on est tous de même, venez nous aider. Voilà, ils nous ont triché. Voilà, c'est un cas comme c'est un forestier là. On lui dit ça en ce moment, vous allez répéter vos mêmes mots aux peules. On dit qu'il est mangeur de singes, donc on ne peut pas lui laisser passer. Les peules, venez nous aider. Vous-même là, vous êtes nombreux. Si l'abbé s'est élevé, si Pita s'est élevé, si maman s'est élevé, ça va aller, aidez-nous. Si aussi c'est un sous-sous, ça sera la même chose. Hey, les peules, vous-même, vous êtes nombreux ici. Eh, autant qu'on se fait mouya. Eh, Maninka fait mouya, Foula fait mouya. Les peules sont assis, ils nous regardent, mais pourquoi? Les peules venaient nous aider. Si maman se lève, si la pomme de ratoma même se lève. Eh, c'est Kaloum seulement, on est en train de tirer. C'est Kaloum seulement. C'est Matoto seulement. Mais, hé, hey, ratoma est calme. Ratoma ne fait rien. Ratoma ne fait rien. Hé, hey, la commune de ratoma. Levez-vous, s'il vous plaît. Hein? Si maman se lève, ça va aller. Les peules, vous-même, vous êtes nombreux, venez nous aider. C'est comme ça, demain, vous allez vous lamenter. Mais c'est ça. Ou bien ça sera malinqué. Les peules n'ont qu'à croiser les bras. Parce que je vous dis, ces quatre côtés. Si un côté est paralysé, ça joue. De la même manière aujourd'hui, le fouta est motivé. Mais il y a une partie de forêt qui est paralysée. Il y a une partie de basse-côte qui est paralysée. De la même manière, ça est aujourd'hui.
Si un jour arrive, dans le futur, si un jour arrivait, que le côté Fouta, tout le Fouta se paralyse, la Guinée sera paralysée. Si un jour arrive, parce que moi je vous ai dit, mes réflexions ne se limitent pas ici au bout de mon nez. Mes réflexions partent très loin. Et c'est ce qui fait ma différence, c'est ce qui fait ma qualité, moi. DS Vision TV, ça c'est mon boss, la guerrière en force. Merci à vous là-bas, tous mes guerriers, merci d'être là. Si le Fouta se paralysait un jour, une année, quand on aura besoin d'elle, quand on aura besoin de lui, la Guinée serait paralysée. Tout de même, on serait là derrière les peuples en train de les supplier. Venez nous aider. Hé, hey, Adé, vous êtes méchants. Hé, hey, les peuples sont méchants. En ce moment, on va les traiter encore de plus de méchants. Pourtant, on a oublié ce qui s'est passé en 2020. C'est ici, on a boycotté les peuples. C'est ici, on s'est dit que ce n'est pas une affaire peuple, mais on l'a qualifié de peuple. En ce moment, ça ne serait non plus. Peut-être que ça serait. Lorsque le candidat là sera sous-sous, bien sûr, le candidat sera compétent. Le candidat sera innocent, ça ne sera pas une affaire sous-sous. Mais les peuples vont manigancer ça en affaire sous-sous. Les peuples vont se dire, c'est une affaire sous-sous et puis ils vont croiser les bras. Ou bien, ça ne sera pas une affaire forestière. Le candidat sera forestier, très capable, très très capable à mesure. L'affaire ne sera rien de forestier. Mais les peuples vont manigancer, vont transformer ça en forestier. Et puis c'est tout. Et puis c'est tout, ils s'asseyent. On sait que l'affaire n'est pas forestière. Mais les peuples vont se dire que l'affaire est forestière. Ils vont se dire, nous, on s'en tape. Nous, on s'en tape. La vérité, c'est une affaire forestière. Et ça va nous faire mal, nous, les forestiers. On va se dire, de toute façon, on va expliquer aux peuples que ce n'est pas une affaire forestière. On ne sait pas. Les peuples sont là. Les peuples se sont craponnés. Les peuples se disent, c'est une affaire forestière. Réglez ça là-bas. Réglez ça là-bas entre vous. Forestier, malinqué, réglez ça là-bas entre vous. Comme ça, les peuples aussi vont se moquer de nous. Les peuples aussi vont écrire dans les Facebook. Les peuples aussi vont écrire comme ça. Parce que c'est ça, vous faites de deux jours là. Ils vont écrire. Hi, hi, hi. Forestier et Malinké, ce sont des familles, non? Ils vont lancer, ils vont s'asseoir. Ils vont bien manger leur riz à la maison. Ils vont bien boire leur cossin. Voilà. Quand deux minutes passent, ils rentrent encore. Ils écrivent encore là-bas. La Guinée d'abord, ils écrivent encore. Ou bien ils écrivent. Hi, Soussou et Malinké, ce sont des familles, non? Réglez votre affaire. Entre vous là-bas. Nous, les peuples, ne dites pas notre nom de qui. Nous, on vend. Nous, on s'occupe de notre commerce. Nous, on va aller chercher notre argent. En ce moment, vous allez dire quoi? Vous allez dire quoi? Vous allez là encore, et vous êtes là. Ça se fait mouillard. Foulez-vous mon Mali. Ou bien les forestiers, vous serez là. Les peuples, aidez-nous. Vous-même, vous êtes nombreux. Venez, on va sortir. Vous-même, vous avez l'habitude de sortir. Allez-y chercher les peuples. En tout cas, en ce moment, moi, je suis forestière, mais si vous m'envoyez pour venir passer, vous allez dire, hey, Annie est d'accord avec les peuples, on va passer par Annie. Annie va pouvoir convaincre les peuples. Si vous n'avez pas aidé cette année-là, l'année à laquelle les forestiers auront besoin des peuples, je ne serai pas intermédiaire, je m'en lave les mains. Si vous ne venez pas, vous avez qualifié cette affaire d'une affaire de peuples. L'année à laquelle les sous-sous auront besoin des peuples, je ne serai pas intermédiaire. Personne ne passera par moi pour que moi je parte convaincre les peuples parce que les peuples sont d'accord avec moi. Parce que même si je ne l'ai pas, ils ne vont même pas m'écouter. Ils vont dire, ah la guerrière, non, on te respecte, mais toi-même, tout s'est passé devant toi. Vous connaissez les peuples. Ils sont gentils, mais ils ont aussi le cœur très dur. Si le peuple décide, c'est fini. Si le peuple se fâche, c'est fini. C'est fini. S'ils ont boycotté la Guinée ici. Si on a fait méchanceté aux peuples, jusqu'à les peuples se lavent les mains d'une affaire politique. Si on a détesté les peuples, jusqu'à les peuples se sont lavés les mains de l'affaire politique. Ça a chauffé. Non seulement les peuples seront guinéens, mais très rebelles dans la tête. Ils n'assistent pas aux affaires guinéennes. Ils s'en battent les couilles. Ils ne votent pas. Ils ne font rien. Et ils font seulement leur commerce. Et puis vous ne pouvez pas les chasser. C'est un problème grave, je vous parle de comme ça. Les peuples seront très rebelles dans ce pays-là. On les demande de voter, ils ne votent pas. Et ils cherchent leur argent. Ils se moquent de nous. Vous avez besoin d'eux, ils sont comme ça. Ils vous regardent. Vous allez dire, nous, on ne fait plus politique dans le pays-là, mais on vous regarde. On vous regarde. C'est ça, on ne vaut pas. C'est ça qui est mauvais. C'est la vengeance-là qui est mauvaise. Ne poussons pas les peuples à être rebelles dans ce pays. Ne poussons pas les peuples à se venger dans ce pays. Si les peuples se vengent,
On va assumer ça grave. On va assumer grave. On va assumer ça très grave. Donc, ce n'est pas le moment. Ce que vous voulez, le bonheur que vous voulez que ça arrive dans le futur. Si vous voulez que lorsque ça sera un opposant forestier, que tout le monde pense que c'est une affaire guinéenne, pensez tout de même que cette année c'est une affaire guinéenne. Si vous voulez que lorsque ça sera un opposant soussou, que tous les Guinéens se disent que c'est une affaire guinéenne, tout de même dites cette année que c'est une affaire guinéenne. Si vous voulez que lorsque ça sera le cas d'un opposant malinqué, tout le monde se dise que c'est une affaire guinéenne, tout de même pensez que cette année c'est une affaire guinéenne. Arrêtons de penser autrement, s'il vous plaît. Abandonnons tout, abandonnons. Je vous ai dit, cette année, c'est l'année d'enterrer tout, de tout enterrer. Enterrer tout. Paul m'a fait ça, Pierre m'a fait ça, arrêtez, arrêtez. Après la victoire du peuple, on passera à la réconciliation nationale. On fera tout ce qui est de notre mieux possible pour qu'il y ait la paix, pour qu'il y ait la réconciliation, pour qu'il y ait la joie totale dans le pays. Ça, c'est un autre projet. Ça arrive avec vitesse. C'est dans lequel on est d'abord là, on n'a qu'à finir avec ça. Parce que tu ne peux pas entamer les choses, commencer comme ça sans terminer. C'est un mauvais travail. Il faut que tu commences quelque chose, tu termines bien, derrière toi est propre, et puis tu passes à autre chose. C'est ça qu'on appelle de l'ordre. Mettons de l'ordre dans tout ce qu'on fait. Donc, ce n'est pas une affaire Peul. Ce n'est pas une affaire de l'UFDG. C'est une affaire nationale. Arrêtez vos crimes là. Arrêtez vos ethnocentrismes là. Arrêtez vos trucs communautaristes, régionalistes là. Ça, c'est le plan d'Alpha Condé. C'est ce qu'il a ancré dans notre tête pour qu'il réussisse. Ça, c'est le plan de diviser pour régner d'Alpha Condé. C'est Alpha Condé qui a empiré cette situation là ici. Sortons de ces mentalités. Sortons de ces mentalités, s'il vous plaît. Si on sait se moquer des peuls aujourd'hui, les peuls savent se moquer mieux que nous, hein. Si on pense que trop, on s'est trop écrit aujourd'hui pour dire que... Peu les malinqués, ce sont des familles, non? Peu les malinqués, ce sont des familles, non? Si on pense que, c'est-à-dire on sait trop se moquer des peuls, si on pense qu'on sait trop se réjouir du malheur des gens, là, les peuls savent faire ça mieux que nous. Les peuls savent se moquer mieux que nous. Les peuls savent mal parler plus que nous. S'il s'agit de se foutre de la gueule de quelqu'un, de se moquer, de se réjouir du malheur des autres, les peuples savent faire ça mieux que nous. Dans la vie, la mal se comporter, là, c'est très facile de le faire. Même les enfants nouveau-nés se comportent mal. Mais c'est le bien qui est difficile à faire. Et c'est ce que nous devons faire. Donc, ne cherchons pas à rentrer dans des vies de vengeance en Guinée là-bas. Ça, c'est le pire que nous devons éviter. S'il y a un truc pire que nous devons éviter, c'est la vie de vengeance en Guinée. Lorsque chaque ethnie va se venger de l'autre, telle ethnie se venge de l'autre, telle ethnie se venge de l'autre, entre nous on se venge. Une vie de vengeance seulement. Ah, telle année, telle ethnie m'a fait ça, moi aussi cette année, je vais faire pour moi. Pour moi là, ça sera encore pire même. L'autre dit encore, quand on fait ça, l'autre garde encore, il dit ok, il m'a fait ça, moi aussi je garde. Telle année, l'année passée. En telle année, telle ethnie nous ont fait ça. Nous aussi, on va faire pour nous. On est déterminés. C'est ça que nous devons éviter. Sinon, les choses vont continuer comme ça. Ça va continuer, ça va continuer, ça va continuer, ça va continuer, ça va continuer. Ah oui. Ah oui. Ah oui. C'est ça qui est la vérité. Moi, je ne contourne pas la vérité. Moi, je suis véridique. Je suis véridique. Et moi, je vous parle d'aujourd'hui, je vous parle d'hier, je vous parle du futur. Je préviens les choses, je vous dis en même temps. Je préviens les choses, je vous dis ça en même temps. Évitons une vie, une quelconque vie de vengeance en Guinée. C'est pas bien. C'est une vie très horrible. C'est une vie horrible. Une vie de vengeance est très horrible. On ne pourra jamais rien résoudre. C'est le peuple qui va souffrir seulement. Le pays est très malade en réalité. Donc demain, le président Selou Dalé nous a invités à sortir. Sortons massivement demain. Tous ceux qui ont voté pour l'alternance, là, vous savez bien que c'est simple, c'est très simple. Tu sais que tu avais voté pour l'alternance et puis on vole tes voix. Mais lève-toi.
Lève-toi, bats-toi pour récupérer ta victoire. Sinon, ceux qui ont voté pour Seloudan et ceux qui ont voté pour l'alternance, là, ils sont nombreux. Vous voyez aujourd'hui que oui, on a bien volé. Ça, c'est clair, c'est palpable. On a volé votre voix. Pourquoi vous ne sortez pas, vous ne réclamez pas ça? Pourquoi vous ne réclamez pas votre victoire? C'est même pas Seloudan qui devait faire ça. Seloudan devait juste nous accompagner dans ce combat. Mais c'est le peuple qui devait le mener. Pour dire non, pas question. Nous, on n'a pas volé pour Alpha Condé. Alpha Condé ne peut pas nous gouverner. On a décidé qu'Alpha Condé parte. Nous, on a sanctionné. On a boycotté Alpha Condé dans les urnes. Comment est-ce que vous pouvez nous dire que c'est Alpha Condé qui a gagné? Pas question, c'est du mensonge. Donc, c'est demain ou jamais. Nous avons une grosse opportunité demain. On sort tous. On réclame nos voix. Nous tous qui étions partis voter le jour, le fameux jour, le 18 Nakoko, nous tous qui étions partis voter le 18 Nakoko pour l'alternance là, sortons demain, réclamons nos voix. Ils n'ont qu'à nous retourner ça. Nous retourner nos voix, c'est nous rendre notre victoire. Vous tous qui étiez partis voter, vous savez bien que vous avez voté et qu'on vole vos voix. Mais réclamez vos voix. Réclamez vos voix. Donc sortez, réclamez vos voix. On sort massivement demain, tout comme l'a dit celui dans les dialogues. On rend la ville morte, vraiment morte. Pas de circulation. On bloque tout. Les policiers là, ils vont déposer les armes pour venir nous sécuriser. Les gendarmes vont déposer les armes pour venir nous sécuriser. L'armée guinéenne sera là pour notre protection. Parce qu'ils savent que leurs parents sont sortis. Parce qu'ils savent que c'est leurs tantes qui sont là, c'est leurs mères qui sont là, c'est leurs soeurs qui sont là, c'est leurs frères, c'est leurs cousins, c'est leurs neveux qui sont là. C'est la famille guinéenne qui est tout simplement sortie. C'est pas une affaire de Lax, c'est pas une affaire de Kaloum, c'est pas une affaire de Matam, c'est pas une affaire de Matoto, c'est pas une affaire de Ratoma. C'est une affaire guinéenne. C'est une affaire guinéenne. Donc ça sera du bim, du lourd. Essayez de faire un truc de lourd demain. Un truc national, où quand on voit la foule, même on dit waouh. Même la communauté internationale, laissez-moi vous dire que ces gens-là ne viennent jamais comme ça en aide d'un pays au hasard. Il faut que ça soit chaud. Eux aussi, d'une part, je les trouve un peu têtus. Je les trouve vraiment un peu compliqués, je ne comprends rien. Parce qu'ils attendent qu'il y ait des morts, ils attendent que la tension soit vraiment incontrôlable avant qu'ils ne viennent en aide. Avant qu'ils ne viennent en aide. Donc, c'est pourquoi on vous dit qu'il faut périr. Lorsqu'on vous parle, ce n'est pas pour incendier le pays. Ce n'est pas pour vous pousser à la violence, mais on vous parle en question de cause. Ok? On vous parle en raison de cause. Parce que nous, on sait. On ne vous pousse pas à la violence. Moi, de toute ma vie, de toute ma carrière d'activiste, j'ai toujours évité dire aux gens de sortir. J'ai toujours évité. Parce que je sais que sortir, ça cause des victimes. Ça cause des morts, des blessés et tout ça. Ce n'est pas moi mon plaisir de vous dire de sortir. La pauvre jeunesse a faim juste tout simplement qu'on tire sur eux. Je ne suis pas sorcière. Je ne suis pas une sorcière à plus forte raison que ça soit jusqu'à ce niveau. Moi que vous voyez là, moi qui suis patriotique là, moi une guerrière tant patriote là, moi je vais pousser mon peuple que j'adore autant, mon peuple que j'adore autant. Je vais tout simplement vous dire sortez juste pour qu'on vous tue. Même quand je vois un blessé, mon cœur saigne déjà. Je n'ai même pas envie de voir. Je ne sais même pas pourquoi je suis infirmière. Hein? Parce que je n'aime même pas voir le sang. Dès que je vois un blessé déjà, dès que je vois que ça saigne, mon cœur saigne déjà. Ça pique mon cœur. Tout mon être sent, tout mon être est frustré comme ça. Hein? Donc, moi, ce n'est pas mon plaisir de dire aux gens de sortir juste pour qu'on les tue. Pas question. Pas question. Mais c'est en raison de quoi? C'est pour quelque chose qu'on se lève. Si on ne fait pas ça, bien sûr, on a assez de stratégies pour les gens qui disent aussi, ah, c'est le Dalai n'a que l'unique stratégie. C'est le Dalai a assez de stratégies. C'est le Dalai a beaucoup de stratégies, mais ça, c'est la stratégie noyau, c'est la stratégie mère, c'est la stratégie basique. C'est sur ça tout se repose. Il faut d'abord ça. Il faut d'abord ça. Lorsque l'axe sortait, c'est le Dalai était pris en otage dans sa maison. Au moment qu'il y a eu assez de tueries, là. Seloudan était prise en otage, non? C'est en ce moment que Seloudan était prise en otage dans sa maison. C'est pourquoi il n'était pas avec ces jeunes-là, c'est pourquoi il ne vous a pas accompagnés. Sinon, il ne nous a pas abandonnés. Seloudan ne nous a pas abandonnés.
On l'avait pris en otage. Ça aussi, c'est une technique politique. Ça se passe même aux États-Unis. Ça arrive. C'est toujours le parti au pouvoir qui a la capacité de faire ça. Parce que voilà, je vous dis, le pouvoir est fort. Quelqu'un qui possède le pouvoir, il devient automatiquement la personne la plus forte. Et voilà la peur d'Alpha Condé. Si Alpha Condé perd le pouvoir, c'est lui qui viendra à la place de Solodale. Et Solodale part à sa place. Vous voyez ce que ça fait? Donc c'est pourquoi il ne veut pas lâcher le pouvoir. Solodale est une fois président, c'est lui aussi le chef suprême. C'est lui aussi qui donne les autres. C'est de ça qu'il s'agit. Soyons véridiques une seule fois. Donc sortons massivement demain. Arrêtons tout ce qui est ethnique, sortons des mentalités ethniques, sortons des mentalités vraiment bobards, sortons des mentalités de retard. Nous souffrons tous là-bas en Guinée, sans exception. C'est par malhonnêteté, c'est par vraiment manque d'éducation, c'est par manque d'unité nationale. Je vois les gens parler d'une affaire de peuls. Sinon, est-ce que ce sont les peuls seulement qui sont tués? Est-ce que ce sont les peuls seulement qui souffrent? Nous, forestiers, on souffre même plus que les peuls. Les soussous, vous souffrez plus que les peuls. Les malinqués, vous souffrez plus que les peuls. Mais si ce n'est pas par comportement macabre, on n'allait même pas parler d'ethnie. Je ne comprends pas la Guinée, c'est ça seulement. Sinon, à ma grande surprise, on voit que tout le monde parle d'ethnie, de ceci et de cela. C'est de la méchanceté. Sinon, tout le monde est en train de souffrir. Donc, basons-nous sur ça. Il faut se baser sur ça. Le fait que tout le monde est en train de souffrir, donc ça veut dire que c'est un problème national. C'est un problème national. Sortons massivement demain, on réclame notre victoire. Tout ce qu'on doit faire, il faut que tout soit national. Que ce soit par les sorties, que ce soit par n'importe quel moyen de protestation. On aura assez de stratégies à poser. N'importe quelle manière, il faut que ce soit national. Tout doit être national. De maintenant en avant, tout doit être national. On a trop vécu l'ethnocentrisme, on n'a rien eu dedans. On n'a rien eu dedans. Faisons une renaissance totale en Guinée. Vivons de la renaissance en Guinée. Faisons une renaissance totale. La Guinée a besoin de renaissance. La Guinée a besoin d'une renaissance. Faisons une renaissance totale. Tout ce qui s'est passé comme mal, enterrons tout ça en cette fin d'année. Et puis ça tombe bien, c'est la fin d'année. C'est la fin d'année, on enterre tout. On confie tout à Dieu, on se pardonne, on se donne des accolades. Et puis, poum, on laisse tout partir dans le caniveau. Hein? On jette ce gros bagage ethnique, ce gros bagage de haine, ce gros bagage ethnique qui nous a tant souffert, qui nous a tant fait souffrir, qui nous a trop fait souffrir, duquel on a trop souffert. Ce gros bagage ethnique qui nous a trop pesé sur le dos. Hein? On est allé comme ça, on est allé comme ça. On n'a qu'à enlever ça sur le dos maintenant, on n'a qu'à mettre comme ça, foum, dans le caniveau. Et puis la pluie descend avec ça. C'est la renaissance. On est né de nouveau. On s'est pardonné, on s'est donné les mains, on se lève, on se bat pour notre démocratie, pour notre libération. On passe dans l'année 2021 avec paix, avec réconciliation. Attendez, je vais bloquer ça. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Faisons une renaissance totale. Pardonnons-nous, tolérons-nous, donnons-nous les mains, battons-nous ensemble nationalement. Toutes les ethnies confondues, toutes les régions confondues en Guinée, c'est une affaire nationale, pas ethnique. C'est une affaire nationale, c'est une affaire patriotique, pas une affaire ni de l'UFDG, ni de PEUL. Enterrez le mot PEUL, enterrez le mot UFDG dans ce combat, s'il vous plaît. Tuez, massacrez, enterrez le mot PEUL dans ce combat seulement. Dans ce combat seulement, tuez et enterrez le mot UFDG. Et déterrer le mot national que vous avez enterré à la place de l'UFDG là. Hein? C'est moi-même, je vous demande. Je sais pourquoi. Tuer, enterrer le mot PEUL dans ce combat. Tuer, enterrer le mot UFDG dans ce combat. Et déterrer le mot national que vous avez enterré là. Déterrer ça à la place du mot PEUL. Déterrer national à la place du mot UFDG. Mettez ça en vous. Buvez ce mot-là, que ça circule dans votre sang, que ça prend le sang. Et puis on évolue avec ça. Parce que dans ce combat-là, il n'y a pas de mot là ici. Tuer, enterrer le mot forestier dans ce combat-là. Tuer, enterrer le mot soussou dans ce combat-là. Tuer tous ces mots ethniques dans ce combat. Il faut les tuer, il faut l'enterrer. Il faut l'égorger, il faut l'enterrer. Il faut égorger tous ces mots ethniques et puis les enterrer. Égorger le mot préjugé.
égorger tous ces comportements de préjugés. Il faut égorger le comportement de préjugés et enterrer ça complètement. Il faut déterrer le mot national. Il faut déterrer le mot patriote. Il faut déterrer le combat patriotique. On met ça en nous. Habillons-nous de vêtements de patriotique. Habillons-nous de vêtements de combat patriotique. Prenons nos armes de combat patriotique. On sort des mains. On bombarde le coin. Lorsqu'on va bien bombarder, lorsqu'on va bien agir demain, lorsqu'on va agir nationalement demain, vous allez voir la communauté internationale qui va intervenir. Les femmes même devaient sortir nuit même demain. La vérité, on devait même sortir nuit à poil demain. Ça même là, ça devait passer. Les femmes, les mamans victimes et autres, là, il n'y a pas de honte dans ça. Moi, en ici, on me dit, viens sortir nuit dans une affaire où on a tué mes enfants, dans une affaire où on souffre. J'ai dit, mes petites fesses là, vous allez voir ça à l'air. Et puis, je ne me rase pas. Je ne me rase pas, je laisse mes poils là, je vais montrer ça à Alpha Condé. Je jure. Si je veux, je ne gagne pas mari de ça. Je n'ai pas besoin de ça. Si un homme veut la Nakadi, la fille là, c'est une fois déshabillée à une manifestation, donc je ne veux pas d'elle. Je ne m'en pas les culs de ça. J'ai un joli comportement, je suis une jolie fille. Donc, je vais me marier. Ce sont même les femmes comme nous là, les hommes cherchent. Donc, je n'ai pas honte de ça. Les femmes même devaient sortir nuit même demain, je dis. Et puis, on casse rien. Les Simba, devant ici, bah, tout. Je dis, on se déshabille et puis on sort. On marche tabara. Tabara, 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 tabara. Alpha, zéro, alpha, dégage, alpha, zéro, alpha, dégage. Les femmes nues, même le bout de nos seins, là, s'il a vu ça, son pouvoir s'est affaibli. Son pouvoir s'est affaibli. Quand il regarde en bas, il regarde nos poids, là, il dit, hi, c'est fini, abarabang. C'est de ça qu'il s'agit. Mais vous allez vous asseoir, pourquoi? Pourquoi vous allez vous asseoir? Sortons demain massivement. C'est de ça qu'il s'agit. Quand on est nombreux là, j'ai dit l'armée laisse les armes. Ils viennent. Ils viennent prendre soin de nous. Et les femmes, n'ayez pas honte pour ça. N'ayez pas honte pour ça. Sortons nus. On sort nus, n'ayez pas honte pour ça. Une affaire dans laquelle on a tué vos enfants. Quand ils tuaient vos enfants là, ils n'avaient pas honte. C'est vous qui allez avoir honte maintenant. Même les jeunes filles, n'ayez pas peur. Parce que vous n'allez plus gagner mari. Parce que les gens vont dire maintenant, elle a exposé ce qui est pour moi là. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a la honte ici là? Sans honte, sans rien, on sort. C'est ça même on devait faire demain même. C'est ça même on devait faire. Pas de honte dans ça. Même une mère sort avec ses enfants, ses garçons même. Une soeur, les familles, on sort. Et puis la soeur est nue. Il n'y a pas de problème dans ça. Ça là seulement, il n'y a pas de problème. C'est quand c'est chaud, on fait ça. Moi, je peux me déshabiller devant mes frères et puis on sort ensemble. Grand frère est devant, je suis derrière. Ou bien je suis devant, même il regarde mes fesses. Il n'y a pas de problème. Si c'est pour qu'Alpha Condé pas seulement là, il n'y a pas de problème. Les frères et les sœurs, il faut sauter. Et puis les sœurs là sont nues. On s'en fout. Ils vont voir des jolies femmes guinéennes la nuit là-bas. Ce n'est pas ça qu'ils veulent. Là, ils vont bien voir. Là, ils vont bien voir nos affaires là. Là, ils vont bien voir. Ils vont voir toutes les couleurs. Noir, bah, rouge, bah, mélangé. Bah. Celle qui met produit là, pour eux, là, c'est brûlé. Bah. Ils vont tout voir. Il y aura toutes sortes de pétou là-bas. Pétou noir, bah, pétou rouge, bah, pétou brûlé. Bah. Il y aura tout là-bas. Là, Alpha Condé va bien voir ça. C'est ce qui affaiblit même leurs médicaments. Même leurs médicaments, ça affaiblit. Lorsque les femmes se mettent nuit, allez-y au Gabon, ça s'est passé. Allez-y au Cameroun, c'est pas un secret, ça s'est passé. Même à Côte d'Ivoire, ça s'est passé. Même à Zérékoré, là-bas, les mamans s'étaient mises nues lorsqu'ils réclamaient le retour de Moussa Dadis Camara. Seulement, c'est quand même, ils ont vu seulement les mamans se sont mises nues. Les gens ont dit, Subhanallah, les vieux pères, là, les gens, les couples, là, PV, là, ils sont partis prendre les mamans. Parce qu'ils savent que ça ne se fait pas. Les femmes, là, ne sont même pas sorties devant Alpha Condé. Hein. Quand elles ont vu les femmes nues seulement, les couples, là, PV, sont rapidement partis. Ils se sont mis à terre pour demander pardon aux mamans. Demandez là-bas, en forêt. Ce sont les couples PV qui étaient partis rapidement demander pardon aux mamans pour dire, hé, Allah, ne faites pas ça. Ne faites pas ça, Dadis va venir, calmez-vous, il va venir, mais ne faites pas ça. Parce qu'ils savent, ça ne se fait pas. Là où les mamans se mettent nuit, c'est grave. Là où les soeurs se mettent nuit, c'est grave. Là où les tantes se mettent nuit, c'est grave. C'est grave. C'est grave. Venez me prendre, moi je vais aller mettre, je serai modèle là-bas, non?
Quand j'ai fini de me déshabiller là, je serai le modèle. Elles vont me suivre. Je serai le modèle même devant. Non, mais trop, c'est trop. Trop, c'est trop. On va montrer nos pétous là aussi, Alpha Condé. Hein? Si cela doit lui servir, ça lui sert aussi. Il faut comme ça, ça va, il va dégager. Quand il va voir toutes les femmes guinéennes nues, nos mamans nues, les tantes nues, les soeurs nues, les petites nues, même les petites filles nues, ça va marcher. Ça sera clos. Et là, Mabara Balan. Natali Mabara Balan. Abara Balan. Hé, Abara Balan. Et là, Mayat Abara Balan. Faites ça en Guinée là-bas, vous allez voir comment la communauté internationale va venir. RFI partout. La Radio France 24, vous allez les voir. En Guinée aujourd'hui, voilà ce qui s'est passé. Les femmes se sont mises en nuit dans la rue de Conakry, dans tous les quartiers, ceci, cela. Ça finit. Alpha va dégager. Bon, Alpha, hey, ça finit. Alpha, ça finit. On ne fait pas ça. Même chez les Blancs, le fait de pays dans lequel je suis là. Ici là. Ça, c'est une fois produit. Ça, c'est une fois produit. Les femmes sont sorties à 14h, à 19h, le président a disparu. À 19h, le président a disparu. Les femmes sont sorties nuit à 14h. À 19h, le président a disparu. On a dit au président, tu sais quoi, c'est fini. Lorsque les femmes se mettent nuit maintenant, c'est fini. Lorsque la foule sort maintenant comme ça, c'est fini. Il faut partir, c'est fini. C'est clos. C'est la fin, c'est clos. Faut partir. Faut partir, c'est fini. Faut partir. Chez les Blancs, ça se fait. Même aux États-Unis, là-bas, quand c'est chaud, ça se produit. Ça se produit. On ne masque même pas le bout des nez. Si vous avez fait ça, même, c'est rien. C'est le bout des seins là, il doit voir. C'est le bout des seins là, il doit voir. C'est partout là, il doit voir. C'est ça le médicament. C'est ce qui gâte le médicament. C'est ce qui affaiblit le pouvoir. Si on fait ça à un président, c'est fini. On a affaibli son pouvoir. C'est fini et c'est fini. C'est fini. Donc, les femmes, n'ayez pas honte. Les hommes, n'ayez pas honte. N'ayez pas honte. On doit sortir massivement, nationalement. C'est ça qu'on doit faire. C'est ça. Hein? Donc, demain, on sort nationalement, s'il vous plaît. Les sous-sous sortaient nationalement. Les malinqués sortaient nationalement. Les forestiers sortaient nationalement. Les peuls sortaient nationalement. Sortaient nationalement. OK? Et l'affaire de Lama Sidibé, là. C'est quel projet ça encore? Là, on ne va même pas durer dessus parce que c'est le même contexte. Vous voyez comment ça se passe maintenant, les choses, non? D'un matin à l'autre, on te regarde seulement et puis on t'attaque. On regarde une famille seulement, on l'attaque. À tort comme ça. C'est de la criminalité partout. On a attaqué le domicile de Lama Sidibé. Regardez ça. Regardez ce que ça donne. C'est dommage, c'est triste.